Je vois Laura. Sur ce dessin, un groupe de personnes est représenté tel que je peux le voir dans la rue, n'importe où. Chaque individu est entouré d'une forme plus ou moins ovoïde, plus ou moins transparente. Sur certaines personnes, il est possible de voir par transparence les corps subtils, et sur d'autres, ces corps subtils sont masqués par des écrans plus ou moins opaques. Les étoiles colorées représentent les connexions sur les rythmes supérieurs. Les flèches rouges représentent l'ancrage sur le réseau tellurique. À noter que sur ce dessin, seuls quelques individus sont connectés au tellurique et au cosmique. Ces personnes connectées ne sont pas des initiés, mais des personnes particulièrement bien installées dans leur efficacité énergétique. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lecture d'aura. Je vois naturellement l'aura et c'est tout naturellement que je fais des lectures d'aura. Mais on me pose souvent la question, mais qu'est-ce que tu vois quand tu regardes l'aura? À quoi ça sert de voir l'aura? On me pose souvent des questions sur les couleurs qu'il y a dans les structures de l'aura. Et souvent, on me pose la question, est-ce que l'aura que tu vois, c'est la même chose que ce que tu vois sur une photo en effet Kirlian? Alors, ma définition de voir l'aura, c'est assez simple. Bon, moi, je vois l'énergie depuis que je suis toute petite, donc voir l'aura, c'est tout à fait naturel, mais je ne vois pas l'aura aussi facilement que vous le pensez. Pour moi, commencer à voir l'aura, c'est regarder venir les personnes alors qu'elles sont encore distantes. Ça me permet de juger de la forme de leur quatrième structure, de l'opacité de cette forme, plus ou moins gris, plus ou moins transparent. Voir l'aura, pour moi, c'est traverser cette quatrième structure qui représente votre conscient et votre inconscient individuel, mais sur lequel se posent le conscient et l'inconscient collectif. Alors naturellement, la structure 4 ressemble à une cage grillagée de forme ovoïde sur laquelle se posent des écrans. Donc, de loin, je vois arriver un petit peu une forme grillagée. Je vois des écrans qui sont interposés sur certaines parties de la structure 4. Et je ne peux voir l'aura qu'en passant à travers les mailles libres de la structure 4. Une fois que j'entre dans la structure 4 de la personne, je rentre dans ces différentes couches auriques. Naturellement, je suis rentré par la quatrième, donc tout de suite derrière il y a la troisième, donc je regarde un petit peu la troisième structure énergétique fonctionner, puis j'entre dans la seconde, puis la première, enfin j'ai une vision précise du corps éthérique, et enfin une vision extrêmement précise du corps physique qui se trouve derrière. Alors je dis, j'entre successivement, quatrième, troisième, deuxième, première, puis corps éthérique. Oui, j'entre successivement sur ces structures, sauf quand il y a de la couleur dans ces structures. La couleur me montre un état d'esprit, me montre votre état d'être, me montre une limitation, met en avant des excès, des manques qui sont complètement visibles dans la couleur. Je n'ai pas besoin d'aller voir plus loin si je veux entrer en contact avec vous. Je vais obligatoirement parler et avoir des consonances, des mots qui ont la même couleur que la couleur présente
dans la structure qui me fait écran. Parler de cette façon me permet d'entrer en résonance avec vous. Vous m'ouvrez les portes et à ce moment-là, je peux entrer plus loin dans les structures. Passé ces premières difficultés, il est évident que je me retrouve ou à proximité de la structure 4 de la personne ou à l'intérieur de sa structure 4. Et je lis ces structures énergétiques un petit peu comme si elle était elle. Alors, qu'est-ce que je peux voir de l'intérieur quand je fais une lecture d'aura? Eh bien, autour de la personne, donc à proximité de moi, je vois la structure 4 qui englobe la personne et qui parfois m'englobe moi-même. Je vois les mailles de la structure 4 qui font écran à l'énergie cosmique. Je vois ces mailles entrer en résonance avec le corps éthérique. Et enfin, je vois la liaison entre la maille, le corps éthérique et des organes. Alors, là, on est plus dans la thérapie du physique, naturellement. Si vous venez en lecture d'aura, et pour toutes les personnes qui souhaitent une lecture d'aura, la plupart du temps, nous sommes sur une étude comportementale en vue d'une libération de l'énergie. Cette libération de l'énergie, qu'est-ce qu'on peut en espérer? Que faut-il en espérer? Et pourquoi vient-on faire une consultation en lecture d'aura? Eh bien, c'est pour retrouver de l'aisance au niveau de la vie. On vient en lecture d'aura parfois pour apprendre ou réapprendre ses facilités de programmation humaine. On vient parfois apprendre ou réapprendre son potentiel transcendant. Alors, je parle de programmation humaine. Quelles sont-elles ces programmations humaines que l'on peut lire? Eh bien, ces programmations humaines, on les lit dans la structure 4 en limitation. Vos parents vous ont prévu dans une programmation bienveillante. Tout a été organisé pour vous, puisque vos parents sont bienveillants, pour normalement que vous réussissiez dans la vie, qu'il n'y ait pas de heurte et que la vie soit un long fleuve tranquille. Mais pour vous permettre d'exprimer cette programmation bienveillante, qui est un peu comme une canalisation de votre énergie, naturellement, vos parents vous ont programmé des manques. Ces manques vont vous limiter et vous empêcher de sortir du chemin qui a été fixé. Et ces mêmes parents ont programmé les excès qui vont vous permettre de sortir de l'énergie de vous comme pour vous libérer et vous permettre d'expérimenter les programmations qu'ils vous ont données. Que peut-on lire encore dans une programmation d'aura? Alors ça, c'est un petit peu la partie extérieure du corps éthérique. Maintenant, si je me rapproche du corps éthérique, naturellement, je vais voir le corps éthérique. Et dans une lecture d'aura, la lecture du corps éthérique, naturellement, nous oriente généralement vers des soins du physique. Alors, qu'y a-t-il à voir sur le corps éthérique? Alors, sur le corps éthérique, il y a plusieurs choses à voir. À certains endroits du corps, comme des petits renflements, comme une densité, comme un moutonnement électrique. Si j'approche du corps éthérique, je sens comme une petite décharge électrique, et j'appelle ça des boules électrifiées. Eh bien, ces boules électrifiées, c'est le résultat de chocs énergétique entre la quatrième structure, donc votre conscient et inconscient individuel, en pression naturellement du conscient et de l'inconscient individuel collectif, et de votre corps éthérique qui va capter
se faire emprisonner par une gang d'électricité statique au niveau de votre corps et principalement au niveau des articulations. Ça, c'est une première étape. Naturellement, dans la lecture d'aura, il y a une étude comportementale qui est liée à ces boules électrifiées, et la boule électrifiée induit un dysfonctionnement des centres lumineux au niveau de votre cylindre. Alors, je parle de centres lumineux, mais vous avez bien compris que quand je parle de centres lumineux, je fais référence à un des modes de fonctionnement du cylindre, le mode chakra étant un autre mode, chakra, mode introspectif, intégratif, centre lumineux, mode expansif, mode expérimentation. Naturellement, le cylindre et les centres lumineux, leur fonctionnement, font partie de la lecture d'aura. Mais il est évident que si vous avez une boule électrifiée à la limite d'un centre lumineux, le centre lumineux n'a plus ce fonctionnement fluide, n'a plus cette possibilité d'émettre des informations de façon puissante et intense, et parfois le centre lumineux n'a plus non plus la possibilité de réintégrer l'information que l'on émet vers vous. Alors, une lecture d'aura, c'est un petit peu soigner la structure cadre de la personne, ses pressions, son éducation, ce qui fait son histoire. C'est enlever, pour lire complètement l'aura, enlever les couleurs transitoires dans les structures énergétiques. C'est naturellement aussi enlever les boules électrifiées au niveau du corps éthérique. Et tout cela dans le but de voir la couleur de naissance qui est inscrite dans le centre lumineux. La couleur de naissance indique une façon d'être, indique votre zone de repos, indique aussi la façon dont vous allez exprimer vos potentialités humaines et votre potentiel transcendant. Naturellement, une fois que l'aura est complètement limpide et que le corps éthérique est débarrassé de ses boules électrifiées, le fonctionnement à l'intérieur du cylindre va nous permettre de voir des bulles de mémoire, des bulles de programmation et orienter le patient de façon très très fiable vers une réussite affective, ou une réussite professionnelle, ou une réussite sociale. Alors vous allez me dire, la réussite, c'est pas le but obligatoirement d'une vie. Mais si, 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 c'est le but, puisque la réussite amène le bonheur. J'ai dit réussite, je n'ai pas dit matérialité. Une fois que l'on est heureux, une fois que l'on est accompli, que l'on peut mettre en avant des potentialités humaines, que l'on peut mettre en avant un potentiel transcendant. Une fois que l'énergie libre nous permet d'exprimer tout cela en public, une fois que l'énergie libre nous permet d'exprimer dans une reliance entre un ancrage tellurique et un ancrage cosmique, si, naturellement, moi j'appelle ça de la réussite. Mais ça, c'est la réussite de mes patients, puisque de toute façon, pour le réussir, Pour qu'une lecture d'aura réussisse, il faut naturellement que les patients suivent un protocole de soins, protocole de soins qui peuvent être faits sur la table, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut tout au moins qu'ils suivent un protocole avec des huiles essentielles, protocole d'ancrage, protocole d'équilibre au niveau de l'affectif, au niveau du relationnel efficacité, au niveau du mental et au niveau du causal, donc sur toute la hauteur et sur l'ensemble des centres lumineux qui sont installés sur le cylindre,
naturellement, une fois qu'il y a toute la puissance qui est installée dans l'équilibre, les faisceaux des centres lumineux sont beaucoup plus performants. Donc les demandes d'information le sont elles aussi. La réintégration de l'information l'est d'autant plus. Et une fois que l'on réussit ce travail d'émission au niveau des centres, ce travail de réception au niveau des centres lumineux, eh bien le soir, il n'y a plus qu'à faire un travail intégratif, donc en chakra, pour imprimer la réussite de la journée. Voilà un peu ce qu'est une lecture d'aura. Dans des prochaines vidéoconférences, je vous parlerai de façon beaucoup plus approfondie de la structure 4 et de ses filtres, des couleurs que l'on retrouve dans la structure 3, 2 et 1, de la qualité du corps éthérique de la couleur du cylindre, du fonctionnement des centres lumineux, le fonctionnement des chakras, je sais, vous connaissez, le fonctionnement de l'ancrage tellurique, le fonctionnement de l'ancrage tellurique, et je vous rappelle que ce sont à la fois l'ancrage tellurique et l'ancrage cosmique qui permettent une reliance sur les rythmes vibratoires supérieurs. Alors vous voyez, la lecture d'aura, c'est tout un programme, mais c'était un petit peu pour vous expliquer ce que je vais faire dans les prochaines vidéoconférences. Naturellement, l'aura vous intéresse. Vous pouvez, dès aujourd'hui, dès maintenant, vous connecter sur le site www.aura-couleur.fr pour me rejoindre et en savoir un petit peu plus. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt !